Corinne et les managers Anne Serve, qui est là aussi pour superviser et pour guider tous ces jeunes. Voilà, le salut à tout le public. Allez Cédric, voilà une première fête pour ce qu'il faut faire. Placé par Alexandre Vic, son moniteur toute l'année. Il faut savoir que ces jeunes élèves de l'école Taurine sont en piste depuis cet hiver. Voilà une deuxième fête pour Cédric. De l'écarteur. Et bien entendu, oui, la première école intérieure. Bravo Cédric. Pour accueillir au mieux ces jeunes élèves de l'école Taurine. Allez Cédric, il faut profiter maintenant de cet écart intérieur. La coursière a été redressée. Voilà, un joli son et une très belle finition. Toujours sous les conseils d'Alexandre Vic. Du cordier Roland Barouillé. Allez Julien, voilà, et le premier fête. On ne demande pas du parfait, mais on demande vraiment de l'implication, de la motivation, mais aussi de l'application. C'est ça être toré rolandais. Oui Julien, voilà, une très bonne à midi, un excellent repas. Voilà, on est toujours bien reçu à Reims. Allez Julien, on fait plaisir au comité, un 20-10, ça se mérite. Oui, bien sûr, un grand pays pour ça. C'est trop chaud. Allez Bastien, tu as vu ce qu'on fait des coéquipiers, à toi de t'appliquer, voilà, tant jouer auprès de ces jeunes. Il leur inculque toutes les valeurs de la course hollandaise. Être toré hollandais, ça veut dire avoir des valeurs aussi. Alex, le dernier. Allez, le dernier, devant Emilia. Alors le dernier, Bastien, il faudrait terminer en beauté. Voilà, sur le son, et on tourne. Oui. Voilà, la coursière est prête. Le premier son de l'ange pour Clément Lagan. Alors, je vous signale que Clément n'a que 15 ans. Vous vous rendez compte un petit peu des qualités et du pouvoir qu'il faut à 15 ans pour sauter une coursière. Et tout ça, ça mérite tous vos encouragements. Oui, Clément. Alors bien sûr le but est passé de passer bien entre les cornes. Et c'est ce qu'a réussi à faire à Clément lors de son deuxième saut de l'ange. Alors on surprend les joints, les pieds dans le béret, les jambes liées. Le son le plus difficile à réaliser en course hollandaise. Voilà, il faut qu'elle parte bien sûr dans les meilleures conditions, c'est normal. Voilà, la coursière est bien partie. Excellent passage. Voilà, alors, je passe le Clément, il est arrivé plus tôt à Reims où il a profité du DJ. Et il tient à le remercier. Ouais, voilà, une prise est là. Et un magnifique son périlleux. Dommage à toi. Ça paraît facile comme ça. Mais on ne peut pas se rendre compte de la difficulté. Ouais. Allez Clément. Ouais. Oui Clément.
Épaulettes qui sont toujours présents pour soutenir les jeunes écarteurs et sauteurs. Alors au sommier joint, Clément qui se prépare au sommier joint. Une difficulté supplémentaire bien sûr pour sauter cette coursière qui est relativement haute. Et voilà, un excellent truc. Le manager de l'équipe de seconde de la Ganaderia d'Argelos. Et chez lui aussi aujourd'hui à Véance, bien sûr. Il a choisi le bon côté, Alcide, il ne s'est pas trompé. Voilà, un très beau saut de l'ange. Clément Lagarde de Montsouris, 15 ans. Un très bel avenir pour toi, Clément. On te le souhaite. Et bien sûr, encore une très belle progression. Même si c'est déjà très bien ce que tu fais. Voilà, voyez, il n'a pas voulu parler par la coursière et il termine par le saut. Voilà, un excellent départ de Jamaïca et une excellente figure. Allez, Romain. Voilà, le premier figure sur la fête. Oui, Romain. Voilà, allez, maintenant, Romain. Avec l'accompagnement des Diams. Une motivation supplémentaire pour toi. On compte sur toi, Romain. Voilà, une très belle figure sur le saut. Allez, Romain. On prend confiance. Voilà. Une nouvelle fête. Ah, ça veut dire. Clément Lannibois de Montmarsan, lui aussi 17 ans. Alors, Clément, c'est ta première figure sur le saut. Oui. Un style très agréable. Alors on compte sur toi pour que ça continue. Voyez un peu toute la difficulté qu'a Régis Lapitude à maîtriser cette coursière. Très bien. Très bien. Allez Clément. Oui. Voilà. Oui, voyez, sans maîtriser la coursière, c'est enroulé dans le creux des reins. Alors on retrouve Bastien Grendeau. Bastien lui aussi élève de première année sur le grand saut. Voilà Bastien. C'est bon ? Toujours avec l'accompagnement des Diams. Voilà, bien dans l'axe, bien dans les cordes. C'est parfait pour Sierra. Devant le cas. Voilà le premier départ sur la fête, oui Julien, voilà. Et on sait très bien que tu vas t'appliquer pour arriver à cet objectif. Allez Julien. Voilà, alors une... On espère la grande réussite pour toi sur le saut. Voilà, voilà. Allez Cédric. La coursière est belle. Il faut en profiter. Il faut l'exploiter. Voilà, un excellent départ. Un très grand saut. Voilà. Allez Cédric. Thank you.
travail. Oui, voilà, il faut continuer. Estelle est une partenaire idéale. Oui, très bien. Ah, ben, on retrouve Clément Lannivois. L'écarteur de Mont-de-Marsan. La jolie. Allez Clément. On compte sur toi pour continuer dans le même registre. Voilà, un très grand saut. Ah oui, une tente parfaite. Alors vous pouvez accompagner les gars. Ne vous gênez pas surtout. Il faut créer l'ambiance. Vous savez que les acteurs en piste ont besoin de cette ambiance. Voilà. Clément l'avant-dernier. Et peut-être Julien qui a débuté la coursière viendra la terminer. Allez Clément. Une très belle présentation. Voilà. Très bien. On l'espère. Allez, on te fait confiance. Allez Julien. Tu as tout pour réussir. Oui. Voilà, très bien. Une très belle figure. Voilà, une première feinte. Une présentation parfaite de l'écarteur. Oui, bon. Voilà. Voilà Clément. C'est vrai. Réussir à dominer cette coursière. Pour le moment, c'est pas le cas. Allez, on compte sur vous. Allez, sur le saut. Oui, voilà, on continue. Tu es capable de dominer cette coursière. Oui, Romain, allez. Tout l'appel, voilà. La team, tu sais. Et apprécie beaucoup votre courage. Sous la peine, oui, là oui. Clément qui avait débuté Nogarola. Pas facile. Alors maintenant Clément, on va te demander d'essayer d'avoir un peu plus de maîtrise. On sait que tu en es capable. Allez, à toi de nous le prouver. Voilà, oui, voilà. Alors toujours Clément, Clément Lannivois. Face à Nogarola. Alors Clément, si tu peux, essaye de maîtriser ta finition de l'écart. Voilà. Premier Paulette. Il m'a surtout recommandé. Il m'a dit dans les vrais 10, n'oublie pas Paulette. Parce que quand je rentre à la maison, après ça va mal. Alors bon. Allez Romain. Non, oui. Allez. Allez Romain, on arrive au bout de la sortie pratiquement.
Non. Allez, Romain. Voilà, oui, dommage, ah dommage, le coup de poing. Dommage, on l'encourage à la séance. Allez, il a fait un coup, mais il revient. La fierté de Torero, c'est ça. Elle te regarde, elle est prête au combat. Voilà, un très grand saut effet marseillaise. Allez Julien. Attends de le prouver. Voilà le saut. On est ressorti de la première partie. Allez Romain. Voilà, double appel encore. Oui, voilà Romain. Serge, c'est vrai qu'il a conduit les coursières aujourd'hui jusqu'à Réans. Voilà le double appel. Et là-dedans, allez Cédric. On reste sur le même registre, c'est-à-dire sur le registre de la qualité. Un très grand saut, oui! Allez, Cédric. Pour Alcide, alors pour Alcide Pug. Voilà, oui, Cédric. Et tous se présenter de Marseillaise pour cette dernière sortie. On compte sur toi. Voilà. Une nouvelle fois. Le dernier. Alors c'est Clément qui termine. Allez, on termine, on essaie de terminer en beauté. Voilà.